Salut les chatons, comment ça va? Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, car j'ai l'impression que ça va être pas vraiment appétissant et plutôt pas mal dégueu pour moi. Peut-être je vais faire des découvertes sous prénom, mais ça m'étonnerait. Il y a quelques semaines, Karl a fait une vidéo où il mange vos pires combinaisons de bouffe pendant 24 heures. C'était moi qui a fait la sélection et je me suis beaucoup amusé. Peut-être un peu trop. Pour revenir aux explications et faire bref, il vous a demandé si vous voulez une version avec moi. Il a demandé 50 000 likes, je pense, et les a eu dans même pas quelques jours. Alors, vous avez compris. Bonjour, j'ai plus le choix. Aujourd'hui, c'est moi, la victime qui bouffe vos combinaisons étranges pendant 24 heures. On va changer l'intro aujourd'hui. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que vous voulez. Si tu es nouveau sur la chaîne, ich heiße Isaac und ich mache jeden Samstag neue Videos. Non, ça c'est de la version allemande, on va switcher pour le français. Moi je m'appelle Isaac, je fais des vidéos chaque samedi et si tu veux vivre des vidéos de ouf avec moi, mais abonne-toi pour rien rater. Maintenant il est 9h04 et je me demande où est mon petit déjeuner. Karl, je vais manger quoi? Karl, c'est bon. Et il est où mon déj? Va t'installer dans le salon et moi je vais te préparer quelque chose de délicieux. Alors, on va avoir besoin des asperges, du boursin, des petites danettes à la vanille, rien de mieux que des frites pour le petit-déj, des cornflakes, du pain, ça va être un vrai buffet gastronomique ce petit-déj, du Nesquik, et bien sûr, il n'y aurait pas de combinaison de bouffe étrange sans du Nutella. Mais moi, j'adore ce début de journée. Et la cerise sur le sundae, chocolat au lait, très chocolaté. Je me demande vraiment qui mange ça pour le petit-déj. Je sens que ça va être un vrai délice, ce truc. Non mais regardez-moi ce beau petit plateau déjeuner. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Voilà. Mais ça a l'air ok. Vous savez quoi, ça a l'air vraiment appétissant. C'est un chocolat chaud avec des frites. Attends, il manque un petit quelque chose. Non. Un petit déjeuner ne serait pas complet sans quoi? Nutella! Ça va être bien meilleur. Ça veut dire qu'il faut que je mange tout ça avec du Nutella? En fait, sauf la boisson, il va falloir que tu manges tes tartines au boursin avec du Nutella. Ok, je commence. Un petit peu. Tu adores le Nutella, non? J'aime bien quand même. Je sais que c'est pas tip-top avec l'huile de palme et tout ça, mais je trouve ça goûte bon. Je prendrai la tartine de boursin avec le Nutella. Le sucré salé, c'est toujours un bon mix. Hein? Oh, mais ça va être horrible. Déjà juste, Bobby en feu! Et Bobby est en feu, je pense qu'il veut manger du boursin avec du Nutella lui aussi, hein. T'aimerais goûter? Oui. Non. 1, 2, 3. Verdict. Moi, tu sais quoi, je peux presque m'imaginer que c'est bon. Tu sais quoi, ça frôle le pas bon. Le pas bon? C'est vraiment étrange parce qu'il y a un petit arrière-goût un peu étrange, mais je ne mange pas tous les jours, hein. Je peux manger ça aujourd'hui. Bah, très bien, alors on va continuer avec autre chose qui va être un peu plus compliqué. Bobby, des frites? Ok. Je vais tremper dans le Nutella. Je vais prendre une frite, je la trempe dedans. Un peu plus. Ah, ok. Ça fait comme du churros. Ok, j'en ai marre. Maintenant, je veux quelque chose que tu vas trouver dégueu. Prends une de ces belles asperges, là, bien verte, et tu vas aussi la tremper dans le Nutella. Comme ça, bien trempé. Ouais, ça, j'aime pas. Ça n'a aucun intérêt. Je suis désolé, hein, je veux pas vous insulter, mais ça, c'est comme useless. Il faut que tu restes ta bouche, je pense, avec quelque chose. J'en suis sûr, c'est une mixture dégueulasse, c'est ça? C'est toutes des choses que tu pourrais prendre au petit déjeuner habituellement. Je te l'ai déjà mélangé. Donc, t'as des Kellogg's, un petit peu de danette vanille et du lait au chocolat Nesquik. Mais tu sais, déjà, tout mélanger comme ça, ça devrait être facile à boire. C'est un petit smoothie challenge en plus, hein? Non, t'as de bon. La texture, là, c'est comme hyper épais, gélifié. Ça a vraiment l'air dégueu. Alors, pour faire un petit résumé, t'as aimé à peu près la moitié de ton petit déj. J'aimerais bien pour rendre les choses un peu plus pimentées, que tu finisses au moins la moitié de ton breuvage. Oh non! Allez! Tu sais, il y a de tes abonnés qui adorent boire ça apparemment, hein? À leur santé alors!
Un peu plus. Encore un peu. Voilà. C'est pas mal la moitié. T'étais pas obligé de tout le boire, hein? Très bien! Moi, je vais te laisser terminer tes petites rôties au boursin Nutella et on se retrouve tout à l'heure pour aller faire les courses. Ah, j'en suis sûr que ça va être pire encore. Ok, maintenant, il est midi 10. J'ai plus ou moins bien digéré mon petit déjeuner. J'ai un peu d'héros. Je pense que c'était le smoothie. Comme on n'a rien à la maison, il faut qu'on fasse des courses. Carl, est-ce que t'es prêt? Tout le temps, il faut l'attendre. C'est en fait toi qui fais le challenge aujourd'hui, ah, non? Il fallait que je prépare ma liste dans ma petite tête là, pour pouvoir aller te faire des prochaines combinaisons. C'est parti! Tu sais quoi, j'ai une question, elle est où ta liste? Je te l'ai dit dans ma tête, des combinaisons de bouffe comme ça, ça ne s'oublie pas! Oh non! C'est parti! On va commencer avec de la sauce César, le fromage préféré de Isaac, un peu de fromage bleu, des petites poires, j'ai trop hâte d'essayer ça, du sirop de menthe, du Gatorade rouge, des œufs. Un peu de mozzarella. Là, il nous faut quelque chose de très, très, très précis. Les Doritos Infernal. On se prend aussi du popcorn. Est-ce que tu te demandes qu'est-ce qui va aller avec quoi? Je crains le pire. Tu fais bien. Beaucoup de crème fouettée. On va se prendre aussi un petit gâteau au chocolat parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Des crêpes pur beurre. C'est un panier qui est bien rempli, hein? Quelque chose qui va te faire plaisir. De la pizza. De la glace vanille. On a besoin de bière, alors j'ai pris la bière la plus foncée que je connais, c'est la Guinness. Du lait, de la crème anglaise, du coca, des petits Smarties, et pour finir, des bons petits filets de poisson. Est-ce que t'as faim? Pas du tout. On est de retour à la maison, j'ai encore des rots qui sortent. Je pense que mon petit smoothie était vraiment trop, mais... Regarde toute la bouffe qui est sur la table et maintenant je pense que c'est Carl qui va faire sa magie de combinaison de bouffe étrange. T'es prêt? Et ce matin, c'était rien comparé à ce midi. Oh non! Allez, tasse-toi un peu, et voilà. Mais ça, c'est clairement quelque chose que moi, j'aimerais bien manger. On va essayer de faire un petit burritos avec ça. Talam! T'es prêt pour ton petit lunch? Installe-toi ici, là, parce que ton repas gourmand de ce midi commence avec quelque chose que tu adores. Je le sens! De la pizza. La pizza. Alors, voici tes petites pointes de pizza. Est-ce que tu sais avec quoi tu vas manger ça? J'ai rien à foutre, ça va être bon. Alors, je peux la manger comme ça? Non! Mais c'est vrai que la première combinaison du lunch va être plutôt pas mal parce que c'est avec de la sauce César. Oh, mais ça me fait presque plaisir. Ouais, je t'avoue que ça, ça a l'air très très bon. Je l'ai sélectionné parce que je trouvais que ça avait l'air plutôt pas mal pour toi. Ah, pour commencer, tu veux dire? Voilà. Alors, je vous montre la pizza. Elle a l'air bien croustillante. Je vais prendre une grosse cuillère et on va mettre ça sur la pizza. C'est comme si on a mis une tonne de mayo dessus. Ça doit être très bon, je suis sûr. C'est génial. Là, j'ai découvert quelque chose de très délicieux. Alors, je t'ai préparé quelque chose qui pourrait sembler déjà comme ça, une combinaison étrange. C'est une quiche avec des poires. Moi, j'ai jamais mis de poires dans ma quiche. Non. Mais je t'avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Je vais te laisser te couper un petit morceau et je vais revenir avec quelque chose qui va aller sur le dessus, que tu vas adorer. Ok, ok, ok. On va plonger dans la quiche. Ça sent bon, hein? Un morceau. Merci. Ah, mais par contre, il y a des poires à l'intérieur? Oui, c'est ça que je t'ai dit, mais c'est pas ça le truc étrange. Mais ça sent déjà bizarre, je trouve. T'as rien vu? Je suis prêt avec mon petit assiette. J'ai dans les mains ton pire ennemi, fromage bleu! Non. Ah non, ça peut pas être bon. Mais moi, je te jure que je mangerai ça parce que j'aime bien les trucs sucrés avec le fromage bleu. Regardez, ça a l'air pourri. Oh, toute la moisissure et tout ça. Oh. Alors, je vais te couper un beau petit morceau. Non, oh non, pas trop. Oh non, pas trop. Ça, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup. Je vais couper en deux. Je vais le poser ici. Je pense que ça va fondre un petit peu parce que la quiche est encore chaude. Oh.
Mais je comprends pas comment les gens aiment ça, non! Arrête de parler et déguste ça! Vous savez quoi? Si je vais aimer ça, je vais vous faire un cadeau là sur Instagram. Je sais pas, je vous achète des AirPods ou quelque chose comme ça parce que j'en suis sûr, c'est à mon genre. Good. Je vais être très honnête. Oh non, oh, ça me dégoûte déjà. Allez, t'as déjà mangé un œuf de 100 ans, ça peut pas être. Ah, mais c'est la même chose. Oh. Une grosse bouchée. Hein. Oh, arrête. Et surtout, le truc avec le fromage bleu, ça reste, l'odeur reste. C'est comme. T'es infecté arrête pendant 24 heures. 3. Oh, ma technique. 1. On va. On va. Je suis désolé, c'est pas possible. Moi, attends, je vais quand même goûter, parce que moi, je pense que je vais aimer ça avec les c'est poires. C'est ultra infect. Tu peux pas aimer ça. Personne aime ça. Moi, je trouve ça bon. Oh, non. Mm. Mais bon appétit alors. Comme on a déjà dit, tous les goûts sont dans la nature. Mm. Oh, non. Un très bon, un très très mauvais. C'est quoi maintenant? Monsieur est servi pour son dessert. Voilà, j'aimerais que tu devines ce qu'il y a à l'intérieur de cette crêpe. Il y a quelque chose à l'intérieur? Il y a quelque chose. Ah, mais pas du poisson ou quelque chose comme ça. Croque dedans. Si vous avez pas encore fait, hein, ça c'est le moment de lâcher un... Gros pouce de like. En plein milieu, vas-y, en plein milieu. On fait pas une partie 2 de ça. Arrête, hein. Allez. Ah, mais ça, c'est bon. C'est des M&M's? C'est des Smarties. Mmh. Regarde, c'est comme un petit burrito sucré. Moi, je trouve que ça avait l'air très bon. Je goûte aussi, hein. Surtout quand c'est chaud, ça fond un peu. C'est comme crêpe avec du chocolat. Ça, j'aime bien. Maintenant... Moi, je te dirais, termine de manger ta crêpe parce que je te réserve autre chose pour ta collation. On se voit tout de suite. Il est 15h50 et je pense que c'est l'heure de la collation de Isaac. On va voir ce qu'il fait. Est-ce que tu serais prêt pour ta collation? Oui, c'est un Yes Man Challenge. Oui, avec plaisir. Ouh! Oh, mais regardez le petit gâteau fancy là! Trop bien! Je pense que le destin n'a jamais aussi bien parlé. Regardez ce qui est écrit. Pour le plaisir. Je pense qu'on aurait dû lire pour le plaisir de Carl parce que ça, avec quoi il va manger ce gâteau au chocolat, ça va être quelque chose. Non, mais ça, c'est vraiment la collation idéale, là. J'espère que t'as faim. Oh, un gâteau, des chips, des popcorn. T'es content? Ah oui. Je vais t'apporter ce qui va avec. J'ai mis ton petit popcorn dans un bol. Parce que tu vas ajouter quelque chose. Je te mets déjà une cuillère. Oh non, un liquide. Il y a quelqu'un qui a proposé de mélanger ça avec du Gatorade rouge. C'était très précis, hein? Mais ça, c'est même pas bon. C'est comme des céréales pour les sportifs. Attends. Oh, c'est trop fou, ça fond. C'est comme le ASMR popcorn. Oh! Ça pue! Le vomi de cerise. Ah, oh, c'est vrai que ça sent vraiment pas bon. Oh, mais pourquoi vous mangez ça? Ah, mais c'est horrible. Allez. J'ai pris une cuillère pour que je le mange. Hein. T'as pas le choix. Ça goûte comme du vomi, avec un goût de cerise. J'ai comme tout est molle. Ça, je vais pas le goûter, je te le laisse. Je vais te changer le goût sur tes papilles. Prends tes Doritos. Oh non. Normalement, les snacks sont toujours bons. Eh ben, pas aujourd'hui. On m'a dit de te faire un genre de petit sandwich avec un Doritos et la crème fouettée. Voilà. Et on va en rajouter un deuxième sur le dessus. Oh non, non, mais tu peux exagérer aussi, non? Comme un petit sandwich. Et ouvre la bouche. Oh, oh. Non. On a l'impression qu'on mange un dessert avec la chantilly et... Ça me fait penser au macaron que j'ai fait au Doritos, tu te rappelles? Mia, mais ça, c'était pas très bon non plus. Moi, je trouve que c'est très bon. Quand il y a des Doritos, c'est toujours validé. Si toi, là, toi qui regardes, tu manges ça à la maison, mais laisse-moi savoir dans les commentaires. Je crois personne qui dit ouvre que c'est bon. Ouvre la bouche! Les Doritos sont vraiment piquants, mais peut-être que la crème fouettée, ça enlève un peu le goût du piquant. Moi, je trouve que t'as l'air de vraiment trouver ça délicieux. Un truc à boire? Je vais avoir un truc à boire pour toi avec ton gâteau au chocolat. Oh oui? Oui? Mmh, je peux le dire, c'est la version amplifiée de bourchin avec du Nutella. Regarde ce qui est écrit sur le gâteau. Pour le plaisir. Alors pour le plaisir, il va falloir que tu prennes aussi un verre et qu'on ajoute du Coca-Cola. Mais pour vraiment bien le faire, tu vas couper un petit morceau de gâteau. Tu vas l'ajouter dans le verre ici. Voilà, encore un peu. Oh non, tu vas me faire une soupe avec le Coca-Cola? T'as jamais aussi bien deviné.
Je subis aujourd'hui, hein. Voilà. J'aimerais ça, par contre, que tu le boives au complet. Ah non, arrête, arrête ton sucre, s'il te plaît. Oh, mais ça fait déjà... Regarde ça. Regarde, c'est comme la mer qui a trop d'algues et complètement pourri, là. Moi, je dis qu'il faut que tu mélanges un peu. Je vais t'aider. Oh, t'es vraiment trop adorable, hein. Je sais. Je te rappelle que tu me fais manger des chips sel et vinaigre avec du lait. Coup de sec, bottoms up, comme on dit, auf einmal alles runter. Voilà, en une seule fois. Ouh, c'est bon le coca avec le gâteau? C'est banal. C'est très sucré, c'est pour ça, c'est ok. Je pense que tu devrais reprendre une petite Doritos avec de la crème fouettée. Oh non, non, c'est bon, c'est bon. Moi, je te conseille de terminer ta petite mixture et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Ok, il est maintenant 18h13, 14, un truc comme ça. On a fait une petite marche dehors, il fait super froid et j'ai un petit peu faim. Alors je vais demander à Carl, un peu contre-cœur, de me préparer mon dîner du soir. J'espère que t'as faim. Très, très faim. Oh non, je crains les pires. Est-ce que t'as très faim? Moyen. Ça devrait être assez. Ça va être le contenant parfait. Je peux vous dire, je pense que ça va être le meilleur repas de la journée. Je trouve que t'as de l'air un peu trop confortable. Ça tombe très bien, ton repas du soir est prêt. Mais tu sais quoi? Ce challenge est aussi super bien parce que je peux regarder Riverdale et j'ai pas besoin de cuisiner du tout. C'est vrai, t'as pas mal de chance. Génial. Alors, on va récupérer ici des petits filets de poisson. Voilà. Est-ce que tu sais avec quoi tu vas manger ça? Du Nutella? Non, je vais aller le chercher. Qu'est-ce qu'on pourrait bien te servir avec ça? Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va adorer. Je sais que habituellement tu aimerais manger ton poisson avec une petite sauce tartare. Ouais. Apporter un verre. Ou du ketchup. Tes abonnés ont plutôt pensé à un petit peu de crème anglaise. Un bon dessert là. C'est comme si tu fais un 2 en 1. Ouh, tu mais vas ça, tremper ah non, arrête. Ton poisson dedans comme si c'était une petite sauce tartare. C'est bien non? C'est dégueu. Qui mange ça? Non mais c'est vrai, qui va manger ça? Je trempe ça dedans? Oui, et pendant que tu fais ta petite concoction, moi je vais aller te chercher quelque chose à boire. Non mais désolé, c'est pas bon. Je vais arrêter parce que je vais gaspiller la panure, le poisson et le truc. C'est je sais vraiment que t'as soif, bon. Je sais que t'as soif. Alors prends un petit verre de lait ici. Mais là t'auras pas le choix parce qu'il y a quelque chose de vraiment sublimissime que je vais t'ajouter dans ça et tu vas voir, je pense que ça va être vraiment délicieux. Je pense que ça c'est la combinaison que j'avais le plus hâte de te faire goûter. Va falloir que tu mélanges ton lait avec... C'est un sirop de menthe. Exactement. Ah mais déjà je bois pas du tout du lait. Ça sent le médicament. Je vais en mettre beaucoup. Oh non. Mais déjà je bois pas du tout du lait. Mais comme ça au moins il va être bien parfumé là. T'auras l'impression de prendre un truc qui va aussi te nettoyer les dents en même temps. C'est comme un médicament. C'est vrai? Uh-huh. Ben, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé cette combinaison pour toi, alors j'imagine qu'il y a vraiment des gens qui boivent ça. C'est sûrement rafraîchissant d'une certaine manière, hein, mais c'est... ça goûte spécial. Peut-être que les proportions étaient pas parfaites, là, mais je suis content que tu l'aies essayé. Et parce que je pense que tu vas pas tout manger ce que je t'ai apporté, je vais tout de suite aller lui chercher ton dessert. Wow, parfait. Ça ici, c'est bien glacé. T'es chanceux, tu vas manger de la crème glacée pour ton dessert, mais avec quelque chose que tu adores. Est-ce que t'es prêt à vivre ton pire cauchemar? C'est la bière. Oh, j'ai comme l'impression que tes abonnés te connaissent bien parce qu'ils ont choisi vraiment des choses que tu détestes. Est-ce que tu es sûr que c'est une vidéo pire mélange ou c'est une vidéo prank là? La glace est bien bien froide et la bière ici, je l'ai gardée chaude comme ça, ça devrait fondre un petit peu. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Regardez la couleur de la glace mélangée avec la bière noire, c'est plutôt très alléchant. Merci. Je peux te dire, mon dîner était très maigre ce soir. Hein? C'est vraiment pas bon. Mais tu sais quoi? Il y a rien de bon dans ça. Mais ça, moi, j'ai quand même envie de le déguster parce que je pourrais m'imaginer qu'il y a peut-être quelque chose à faire. On va le mélanger. Parce qu'au début, je pense vraiment, j'ai bu seulement de la bière. Maintenant, c'est mélangé. On va goûter à nouveau. Et c'est aussi dégueulasse. Je suis désolé. Ça fonctionne pas. Non.
Ok, je peux vous dire, j'ai vraiment pas beaucoup mangé. Je pense que j'ai passé une journée remplie comme une montagne russe d'émotions entre pas bon et vraiment dégueulasse. Par contre, il y avait des choses qui étaient bonnes, il faut que j'avoue ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une partie 2 de ce challenge, de ce genre de vidéo. Et mettez dans les commentaires aussi vos combinaisons de bouffe étranges. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Merci d'avoir passé un bon moment avec nous. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, il faut pas rester sage. Bisous! Tu sais quoi? Quoi? Tu vas boire la bière maintenant. Bon appétit! Cheers!